de frère. Mais après, fais chier, moi, si y a eu comme là, gars. Ma impression, le monde n'y respecte plus rien, frère. Voilà, là où comme on a faim, hein, même point de jambon dedans. C'est quoi appelé? Américain bouchon. Il est déçu parce qu'il y a point de jambon dedans. Ah, ça, il fait penser à être à ça. Mais d'un coup, il arrive à un petit snack bar. Mais il demande le forme. Ouais, dans un américain normal, s'il vous plaît. Tu dis pas le fond mieux, garde à moi gros yeux. Il comprend pas comme il demandait. Jusqu'à temps, il comprend. Hein. Fallait me demander à elle un américain épaule pour gagner un américain jambon, gars. Bah, c'est quoi le problème? Bah, ça me vient de dire où? C'est qu'on a l'impression les gars ils respectent plus rien, frère. Avec le dernier, là. C'est pas parce que. Tu comprends pas ce qu'on veut qu'ils respectent rien. Regarde, folle pas. D'un vrai américain. Un vrai américain. On a dans l'ordre le pain, le jambon, frites, plus fromage, plus n'importe quelle viande en supplément. Et ça pour le même prix. Pas ça me veut dire. Il ferait chier bonne donne les gars un américain tradit là quoi. Si on veut le jambon, on prend un américain épaule. Comme là plus pareil, qu'on va faire? Ah ouais, en gros, c'est un putain de nihiliste. Quoi? Un nihiliste, frère. À ce qui paraît, ces bonnes gars, n'a plus de conviction pour rien. Conviction. T'as qu'une vraiment vraie ta foi dans là. C'est pas de conviction, hein. Fais ça pour le gros, frère. Oh, trop loin. Ah, bah justement, on parle à moi de travail. À travail, coup. Embarré. Et un jour m'a fait la goutte à aussi un vrai américain. On va dire moi c'est quoi. Are being born by the green troopers. We love commanding bloopers. Boom the funky land losers. It's gonna be another nice day. En parlant, vous avez d'autres infos sur le client? Ah oui, justement, pour le coup, c'est pas professionnel. C'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire que c'est pas de mon nom censé travailler avec, quoi. Ah, c'est des particuliers. Ouais, voilà, comment c'est... ça se fait que... Viens-nous pour bosser avec des cartons là. Vous vous rappelez le nettoyage que j'avais fait à Villa Saint-Pierre? Quand les gars avaient laissé un tralé de saleté des Yapounous. Mmh, ouais. Ouais, bah justement, c'est le même groupe à ce que m'a compris. Sauf que là, bah, on est travaillé avec bah, une canière Lacroix, vous connaissez, qui nous aux transactions, tout ça. Ah ouais, et du coup, là, tu veux que le couvre Bonnard, comme Marie, retombe par Suzette. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, ouais. Comment il appelle encore le petit vers là? Qui ça? C'est que ça venait à tout la vue qu'un shoot comme ça, mais ton malin a fait une partout. Ouais. Après, elle dit comment? C'est parce que le boucanier de son mémé était plus beau. Et ouais, c'est. Coralie, elle a fait comment? Plein de diamants? De tant que bombarde ta squat la salle. Ouais, ouais, même, ouais. Le gars, justement, parle à moi, c'est Quentin. Ah ouais, ouais. T'es balé. Les voyez-vous? Ah, ce qui paraît, il y a une lettre noire dedans. Que vous savez, vrai, hein? L'histoire de. L'histoire de lettre noire, tout ça. Même s'il est vrai ou pas, c'est qu'il faut réfléchir à cette poucou et bonne à tuer. Ouais. Bah, de ce qu'on a compris, voilà ce qui paraît. Le gars, il attrape la forme. Ouais. Du bug qui gère tout le business sud. Ah ouais? Eh ben ouais, c'est pas ça que m'a compris en tout cas. Au cas de ça, Clara, quant à moi, c'est parce qu'il y a autre fait que Bonnard pour les histoires l'euro. Je connais Bonnard, Zimaï, pas trop de ça, c'est ça? Ah bah oui, c'est pour ça que Bonnard est pointu comme avec nous en ce moment. T'as envoyé à nous à ton bras à gauche, pareil. Ouais, dans Wazot 600, on a la trace comme Suzette. Ouais, bah c'est ça. Justement, il étonnerait pas mal le bon gars de savoir là, on a un rapport avec ça, je te demande. Vers la fin de mes 18 ans, mon paternel là, au fermé à l'auto.
à l'occasion de mon permis. T'es un petit auto tranquille. Ouais. Deux, trois tirs à hure, un petit kilométrage déjà, mais t'es suffisant pour faire la main, voilà. Sauf que, quand même, je voulais voir plus grand, plus puissant. Du coup, moi, commence à travailler. On a gagné mon propre euro. J'avais des contacts, deux, trois petits d'abord. Du coup, m'achetais un petit japonais, une Honda Civic. Vous avez été quand même bien, moi, si vous voulez dire. M'a été fait pour faire de coq. Avec mon bon dentier. Ah, malheureusement. Débarque la case, la plaque à moi devant mon daron. Vous les quoi? Je veux tout évoluer. Ouais. Mais pense au-delà du fait que m'a déçu mon paternel, ce que m'a détesté vraiment. C'est bon, mon est beau le qu'il est gars. Et à où? C'est con, hein? Mais paradoxalement, plus on court vers le bonheur, et plus on s'en éloigne. Après, me comprends. Vous avez fait ce que vous avez fait. Hein? Moi, c'était pareil. Mais là, tout ça vole vers les étoiles. Nettoyage. Ben mon œuf est propre. Non, mais le nettoyage. Ah, ben rentre à œuf, c'est pas témoin de Jéhovah, et bon. Histoire de le bouc qu'on dit là. Ça. T'as pas connu, t'es un gars à la bouc en fin de compte. Il a parti, il a bu, il a baisé la raconte dégueulasse. Il a parti, ouais. Il a bataille, il a fait de la merde en fin de compte. Comme tout bouc qu'on dit ou quoi finalement. Oui voilà, ça même. Et bah, du coup il a fait de la merde et la loi. Ouais. Il est arrivé, il a commencé à contrôler. Il était ouais. De pas donner ses papiers. Il a dit si tu donnes les papiers, donne-moi. Il a dit donne-moi carte d'identité et donne-moi au nom ouais. Et au prénom. Et connaît quoi il y a sur de vous. On voit un bouc comme Irénée Potin. Ouais. Il n'est jamais sous l'ombre de la loi. Il a pris en ça devant Jacques. Il a pas fait ça. Si, gars. Et c'est un train vrai, gars. C'est un train vrai. Gars, mais il étonne pas moins, gars. Bah, normal, couillon aussi, tu sais, là. Ouais, un spécimen, hein. Ah, mais Dieu. Bah, il se marre là. Hein. Combien de temps encore te reste la veille à nous? Ah, oh. On va tirer le baron, hein. C'est ça, Dieu, mec. Non, fais compte, faut nous nettoyer. T'as coiffé quoi? T'as coiffé. Bah là, oui. Bien défonce T-Book ce moment. Moi, c'est à titre pose, moi. On dirait l'orgueil par un petit paquet de bois. Passe-moi un petit coup de détergent, s'il te plaît. T'es gars. Vous passez à Yoa. Bah quoi fait? Où c'est les chiffons? Bah d'autres mains. Bah gars, pas de chiffon comme un. Chiffon pour nettoyage frère. Bah chiffon. Non, ça, c'est pas ça, ça c'est un chiffon cuisine frère. Le voisin m'a ramène les chiffons. Bah évidemment Madio ramène les chiffons, chiffon nettoyage. Attends, bah expliquons un train. Vous faites un travail comme un, vous faites avec le vrai chiffon, pas exactement comme un.
Là où fermer n'importe quoi, ouais. Mais on s'en fout, il est mort. Gars, c'est pas pour le mort, c'est pour le travail. Gars, bah, on s'est pas cassé dans la tête pour le chiffon. Ah ouais, pas que Nicolas arrive banane, non de ça. Non. Alors, m'explique où. En gros. Non, non, gars, fais pas que ça, frère. Sérieux. Ça que l'arrive bonne à, c'est que, on a deux couillons. Là, oublié une pied de basket sur un nettoyage. Et la loi attrape à zut. Quoi? Explique au vite fait comment va se passer. Pas rien. La loi remonte qu'un espèce réseau. Bah, là, t'es dans un petit bar tranquille, en train de faire des petits business, drogue, tout ça. Et là, la loi a débarqué. Bon, à trois, défonce la porte, dans tout les gars, bam, 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 bam. Et après, même Dio, si vous voulez y arriver en Afrique, c'est au choix. Mais par contre, moi, viens pas mettre ta main dedans. Ah ou, m'a remarqué un affaire, après, connais, c'est un camarade à moi, il respecte tout ça. Mais, des fois, on a l'impression, on prend les choses un petit peu trop à la légère. Moi, mine moins à moi, si c'est pas plutôt l'inverse. Des fois, on a l'impression, c'est oui, car ça voit un petit peu trop de tête. En fait, comment faut voir la vie? Où ça va à l'école? On n'a rien demandé. Où ça va au travail? On n'a rien demandé. Où fait toute une vie? On n'a rien demandé. Et après un jour, on meurt. Et quand on meurt, on est triste parce que on est en train de perdre tout ce que vous n'avez pas demandé. Regarde la logique là-dedans. On a point de logique en dedans là. Non, ben folle pas. Moi, m'explique aussi comme ma logique. Non. Quand on lève le matin, où ça travaille. Et peu importe ses coups de travail, on fait bien, c'est tout. Comment il arrive pour rien? C'est ça mon train de dire, hein? Oui, mais ça part stressé pour deux chiffons. T'es bien, me dis pas où ça arrive, où on a fait pour deux chiffons. Mais pour moi, qu'on fait un travail, on fait bien. C'est juste pour le principe, quoi. Et on râle pas de chiffon de cuisine, ça va tirer ça. Ben, dans cuisine. C'est pas deux chiffons. Ils savent foutre les gars dans les. Là, on parle comme si ça fait putain nous pour deux chiffons. Il est petit, mais il est lourd. T'es mis de diao, gars. Ah, t'es les gars, t'es pas mis joué, alors. C'est bon les gars là. Ça pour le gars, j'ai fouillé. Les gars, c'est qui le boss à TL? Personne ne répond pas. La mafine trappe à Zot là, c'est qui le boss là, STE?
Ils appellent ça un américain alors que la spécialité créole avec toutes les bonnes ingrédients dedans les réunionnais. On a longtemps m'a posé moi la question, ouais. Et m'y pense maintenant la réponse. Quand la culture n'est pas assez puissant pour exister elle-même, ben, ça va puiser dans d'autres, tu vois, jusqu'à ce que elle se fasse bouffer totalement par une toute autre culture, et alors elle n'existe plus, disparaît totalement. L'ironie, c'est que à l'heure actuelle, bon patron, il paye des gens pour faire le même travail. Sauf que, pas tout y fournit le même effort. Ouais. Et du coup,
C'est pour ça que bon patron y envoie des gars comme moi pour m'occuper des cas comme autres. Tu sais ce que c'est ça? Tiens, donne ta main. T'aimes bien là. Toi et moi, on pense pareil. Un travail doit être bien fait. Malheureusement, dans la vraie vie, tu sais, entreprise sur entreprise, c'est un peu comme la culture, ils se bouffent entre eux. Quand ils finissent de nous utiliser, ben, ils nous jettent comme des petits chiffons. C'est ça le truc, tu vois. Après maintenant, Alan, j'aimerais te faire une proposition. J'ai des contacts, des clients qui me payent pour abattre des gens. Moi, je ferai mon travail. Et toi, tu nettoieras par derrière. Cette fois-ci, ce sera juste toi et moi. Qu'est-ce que t'en dis? Ça fait penser à un... Ça fait penser à une histoire, ça. C'est l'histoire d'un gars. Il revient dans son pays natal, après avoir fait 2-3 mauvais coups ailleurs. Il balade sur front de mer, mais après personne ne reconnaît. Et au fond, lui-même ne lui reconnaît pas personne. Il mange une petite barquette curry. Mais il rentre pas. Il fume une cigarette, mais pareil, il n'a pas trop envie de fumer. Hein. Parce qu'il y a un train là, au fond de lui. Comme un train de mauvais. Hein. La bonne souvenir de quand il était petit remonte. Je me rappelle d'un beau gageois d'Yaï. Ouais, un jour, ça finit sur l'échafaud. Et là, depuis ce jour-là, il n'y a pas osé traverser la route, il n'y a pas osé partir dans la mer, il n'y a pas osé faire rien que la peur. Et là, lui rappelle que ça que l'a pris vieille tout son bon malheur, c'est son vieux tonton Georges. Il était pour de la chiasse le monde avec sa vieille langue cabri. Elle lui repense sa vieille sœur. T'as que la gagne une petite place travail Saint-Denis, t'as un petit bureau, il repense son vieux cousin, là, il a fait des études, il a quitté la France, il repense tout ça qu'il a vu, tout ça qu'il a fait. Voilà, la tristesse, il sait, même. Alors, lui essaye de remanger un peu de curry, fumer une cigarette, mais pareil, man. Elle décide que il faudrait aller battre un carré voir son vieux tonton Georges. Alors lui ça va, il ouvre la porte. Puis quoi fait tonton Georges? Va bien. Le tonton Georges ne reconnaît pas lui, mais il reconnaît son tonton. Alors lui coupe son collet et lui finit sur l'échafaud. Après avoir mangé 3 barquettes de curry et fumé un paquet de cigarettes. Je sais pas comment on comprend ça, mais... Je trouve qu'il montre un peu l'ironie de la vie, quoi.
finalement, on n'échappe pas à son destin. Ouais. Le pire dans l'histoire, c'est que son vieux tonton avait raison. Donc il veut dire où bosse pour moi. Ouais. Veut dire mi bosse pour. Merci. Pas de quoi. Dans ta boîte à gants, tu trouveras un numéro de téléphone. Quand t'en viendras, tu le sauras. Tu as une lettre noire, alors. Ok. Je préfère ça. Entre nous. Sacré petit vénère. Ah ouh, c'est cool, disait, vous faisiez un. Enfin, dans le... Oui, dans le son, pas ben, quoi. Ben. Après, c'est mon avis, tu vois. Pour moi, c'est pas un affaire. Il marche, marche, ouais. Surtout ici, la Réunion. Parce qu'en fait, de vrai, fait... Pas pour. Voilà, pas pour décourager ou, hein. T'es combien de jeunes marmars il m'a vu. Comme où, là. T'es vu rendre la musique, t'es vu réussir. Pas facile, ça, oui. T'es. Me dire, non. Il voit pas, il fait ça, moi. Non, il fait juste un petit peu pour défouler les gars. S'il a marché, ben il marche. Mais oui, mais nous là, ce que vous êtes en train d'essayer de dire, c'est que nous ne veut pas être méchants, ne veut pas être focus surtout. Nous ne veut dire les choses. Et comme on a deux, trois joueurs là, où c'est un. C'est quoi, on peut dire que c'est un bon camarade à nous, ouais. Nous traîne, t'es là sur le port, ouais, nous mange un affaire avec. Ben ouais. Bon, quelque part, on a envie de préserver un peu, tu vois, de ça. Mais par contre, nous est pour. Et c'est parce que nous est pour qu'il est en train de dire où, peut-être que ça pose des pieds dans un domaine qu'il est un petit peu trop grand pour. Ouais. C'est ça, un petit peu trop grand. Alors que nous, bon, nous on a un travail, nous plaintent à nous. Ouais. Excusez-moi de dire ça, mais on est bien payé. Ouais. Nous fait une affaire, nous touche. T'as quoi, combien de mois nous là-dedans? Il fait. Je pense que c'est 5, 4. Et bien tous les midis, nous croisons ça de là, on dirait pas de travail, les gars. Ah, ben t'es, bah, franchement, il faut reposer un peu le midi, non? Ouais, moi, là. Après, le train, c'est que. Vous disiez quoi, est-ce que. En fait, on m'avait causé une deuil. On m'avait dit, à où on allait être un petit gars sûr. C'est pour ça, nous ne veut pas décourager dans la musique, tout ça, si c'est de rêve, tout ça, ok, d'accord. Mmh. Nous ne veut pas décourager, mais par contre, on a une petite affaire pour vos hommes. Wow. En fait, le train, c'est que. Vous nous travaillez comme un, toucher un temps, c'était, ben ouais, société de blanchiment, tranquille, lave-drap, lave-couette. Mais au fin de compte. Mais pas que ça, nous. On a une autre branche de le. On a une autre branche, et si vous voulez, si jamais vous voulez faire un peu de l'euro, travail assuré. C'est-à-dire que là où ça pas commence à pleurer demain matin parce que ouais, chômage, ouais, ceci, cela. Ouais. Mais sûr, tous les matins où on a un travail. C'est dit. On peut dire ça. Contrat à vie. Contrat à vie, c'est plus le terme. Voilà. Donc ça que nous proposons, c'est que vous rejoignez, viens travailler avec nous. Ouais. Tout à fait. Nous cause de où, nous cause de où, à notre bande supérieure, etc. Et on va dire, ça c'est le petit gars de confiance, hein. Il voit le petit gars. Non, je peux avoir confiance, les gars. Mettez sur le train. Ouais. Sur le train. En fin de compte, ça nous dit où là, dit où, franchement, nous dit pas payer ça. Ouais. Parce que ça, il est concerné, maintenant, ah aussi, il est concerné. Tout à fait, on en parle aussi. Après, nous aussi, nous arrivons dans le train commun, pareil où. Donc, c'est des gars, l'a vu à nous, l'a dit à Z, vous êtes ces gars sûrs, ouais. C'est pour ça que nous voyons au commun. Non, à folle pas Z. Ni Wax, Z veut dire, ni c'est un gars sûr, moi. À folle pas Z, peu causé, les gars. Bah, expliquez, c'est quoi un journée type. Un journée type. Nawa, si le gars est quand même. Oui. Pas, s'il intéresse à eux, si jamais c'est un affaire. Alors. Un gars. C'est comme ça que nous fait. Un journée type,
première chose au réveil, on garde au mail. Sauf que nous, on n'est pas sur Google tout ça, mais sur le dark web. Ça s'est attrapé à ce niveau, ça. Ouais. Une période mail. Là-dessus, on a. On peut travailler la journée. Le client, chez qui ça allait, ne connaît pas son nom. Parce qu'il faut pas. Évidemment, pas une fébauche à nous non plus. Ouais. On ne connaît pas son nom. On connaît juste l'endroit. On connaît juste quel cadavre pour nettoyer. Il y a toutes les indications qu'il faut. Donc ça va. Nettoyer des cadavres. Tranquille, bah, être propre, propre, propre. Et jusqu'à l'heure, une fois, il n'est pas possible depuis ça. On n'a toujours pas dit non, nous. On peut pas. Le coup de bonnet, il ne peut pas avoir des doutes sur nous. Mm-hmm. Ça fait un travail normal. Tu vois? Bien sûr. C'est à partir là, un peu plus compliqué. Faire une contre deux mondes discrets. Nettoyer le cadavre. Mettre en sac. Mettre en box. Et à partir là, nous ramène le cadavre. Toujours au même endroit. Ça l'a jeté. Et ben, enfin, ça va. Ça, de toute façon, on va connaître au fur et à mesure. Hein. Mais c'est ça le plus délicat, en fait. Si ça nous jette le cadavre, c'était là pour être discret. Parce que c'est ici qu'il peut bosser à nous. Mm-hmm. C'est ça. Ouais. Et le truc, c'est que. Il a été instauré qu'on ferait ça en plein jour, justement, pour pas éveiller de soupçons plus ça. Tu vois ok. Bah, c'est des NASA ici, les gars, t'es. Bah, nous évidemment. Évidemment. De toute façon, ici, la Réunion, on trouve tout. Hein. Intéressant, ça, toute qualité des affaires. Mais le truc, c'est qu'il faut garder de tête, c'est pour qu'on lève le matin pour travailler. Pour qu'on lève le matin. La raison. Bah, regarde, il faut vivre à un moment donné. Vois ce que je veux dire. Moi, le son, c'est pas que. Moi, il dénigre pas tout ça, ouais, mais il veut dire le son là. Excusez-moi, mais il voit pas où aller loin dedans, moi. Hein. Mmh. Ah. Enfin, cool, le truc, c'est que la musique, il dit, obligé d'avoir au moins un monde qui dit ça. Il y a un paquet de monde qui fait la musique. Oui, il est vrai. Par passion, par amour, tout ça. Mais gars, mais c'est pas la passion, c'est pas l'amour, c'est parce qu'elle ramène le manger au frigo. Exactement. C'est ça. Et si on veut ça, il faut ça. À partir de là. À partir de là, ne rajoute pas rien. Mais trouve ça très intéressant, moi. Mais trouve ça très intéressant, mais tu connais pas si j'avais ça ici, mais il est prêt à faire mon bouche quoi. Qui s'en a un numéro, elle a fait comment? T'es ben où? Voyez. Oh. Ça donne à où? Toi, elle a fait tout. Tout passe dans le Gondi. Non, mais pas ce que tu dis là. Mais depuis là, nous fait ça, nous ne pas. Ouais. Ne regrette pas. Hein. Mais ça t'est. Bah, pour l'écrit, on est tout ça. Non, il reste en nous. Oui, il ne faut pas les gars, c'est reste en nous, on connaît, de toute façon moi ça t'es là. Très intéressant Zod histoire. Écoute. Mais il n'y a pas cause longtemps, mais ça va. Ouais, pas de soucis. Il va rappeler à Zod. Dans moins de deux semaines, il appelle à Zod, c'est bon. Ah pas de soucis. Franchement. Carré. Carré mon. Bon ben nous fait comme ça mon frère, on a écoute, trouvé. Écoute, pour ça. Et quand on veut, vraiment. Ouais, mais appelle à Zod. Dans même pas deux semaines comme ça, mais appelle à Zod. Deux semaines qu'on veut. Et à vivre à Zod. De toute façon nous on est là. Allez, la trouver les gars. La trouver. Mais bon, n'oublie pas nous. Hein. Sur la question, n'hésite pas. Ah, franchement, je pense que c'est un bon marmaille ça, mais ne voit pas trop plus que ça dans le son. Hein. Avec mon temps, il voit à nous avant. Tu vas refier un petit. Ouais. Je pense pas à les voir. Allô, va nous petit mafiant pour surveiller des nids là. Je m'y pense dans 4 semaines, c'est plus court. Hein. Ma pose monte exactement dans le nid là. Ben.